Bon, ben, il est présentement 11h13, 11h14, excusez. Et puis, c'est ça. On dit un dernier au revoir aux Bahamas. C'est plus plaisant. Après 4 mois là-bas, c'est vraiment des moments mémorables. Et puis, maintenant, on fait route vers Fort Pierce. En Floride. En Floride. Et puis, j'ai eu un petit mal de cœur ce matin. Je pense que dans une traversée comme ça, si on passait de 6h le matin à 10h le matin, il n'y aurait pas de problème. On dirait qu'il y a 4h que je ne suis pas capable. Surtout qu'on se fait brasser par la houle. Là, c'est pas si pire parce qu'on est en train de sortir du Gulf Stream, mais tantôt, il y avait de la bonne houle. Et puis le vent n'est plus de la partie. On a commencé pourtant très bien avec un 15 nœuds apparent. Au grand large, ce qu'on a fait, on a mis les voiles en ciseaux, tangonné le génois. C'est merveilleux. On faisait 5-5 jusqu'à 6 nœuds. Mais à un moment donné, la vague est devenue inconfortable, puis elle nous faisait loffer. Puis là, ça devenait dangereux avec le tangon. Donc on a détangonné ça, puis on a mis les deux voiles sur le même côté. Puis ça n'a pas toffé bien longtemps. De plus, nos batteries étaient à terre. Il a fallu les recharger, donc le moteur est parti. On le tenait à 1500 tours pour profiter un petit peu de la voile, mais ça n'a pas été suffisant. Donc, les vents annoncés aujourd'hui ne sont pas de la partie. Et puis, c'est comme ça, que voulez-vous. La météo est une science très approximative, je crois. Donc, voilà.